vous allez faire des mouvements comme ça. Voilà. Et voilà, regardez, c'est beaucoup beaucoup mieux que le Chrome. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est changer le logo qui est en Chrome. Donc là, on a commandé un logo noir. Je vous laisse le lien en bas de la vidéo si vous voulez commander le même. Donc voilà, le petit logo, il est là. C'est collé au double face, il y a trois guides. Donc, pour enlever l'ancien logo, rien de compliqué. Vous avez juste à prendre un fil ou peu importe, le glisser là derrière, le passer. Attendez, je vais rapprocher la caméra comme ça vous voyez mieux. Hop. Voilà, là vous voyez mieux normalement. Donc voilà, vous passez ça comme ça ici. Vous faites un levier comme ça. Et vous allez faire des mouvements comme ça. Voilà. Là, il est déposé. Et il y a trois guides. Donc, c'est tout. Voilà, rien de compliqué. Il y a trois guides et le logo, il est enlevé. Pour coller le nouveau, n'oubliez pas de passer un coup de chiffon pour nettoyer la surface. Et puis, c'est tout. Donc, voilà, n'oubliez pas de passer un coup de chiffon dégraissant pour bien nettoyer la surface. Donc, voilà, pour clipser celui-là, vous avez juste à enlever le double face et le clipser ici. Donc là, vous avez deux guides, les deux guides en bas et un en haut. Et puis voilà, juste à appuyer et c'est bon. Et voilà, regardez, c'est beaucoup, beaucoup mieux que le Chrome. Franchement, ça change tout. Là, on peut dire que c'est un full black. Et là, on va enlever le petit logo sport, vu que c'est une édition sport, mais je vais l'enlever. Je pense qu'un full black, c'est beaucoup beaucoup mieux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, pour ma part, c'est beaucoup mieux. En plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai éteint le téléphone à l'avant et à l'arrière légèrement. Ça, je vous ai pas filmé,